Nous avons aussi des amis dont, dont le temps est aussi compté. Donc, nous allons maintenant donner la parole dans quelques instants à un brillant journaliste, Alexis Lacroix. Son CV est trop long pour que je vous dise pas à peu près tout, mais il a écrit notamment des essais forts quand l'antisémitisme redevient de gauche. Il a travaillé à la règle du jeu. Il a été responsable à Marianne, au magazine littéraire, à France Inter. Il est très engagé aussi sur la défense et la promotion des principes et des valeurs que nous honorons depuis ce matin. Donc je le remercie d'être parmi nous. Alexis, tu as la parole, et si tu veux bien nous rejoindre. Anastasia est partie. Non, mais vous voulez partager avec nous? Vous avez peur de vous compromettre. Des fois que les femmes reviennent. Bon. Ah voilà, je ne sais pas si on m'entend. Les micros sont farceurs. Merci beaucoup, cher Patrick, de votre invitation. Merci, bien sûr, au CLR, que je retrouve toujours avec plaisir dans ces colloques, des têtes amies, des amis, Catherine Kinsler et d'autres, qui sont là, et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous proposer, c'est marqué sur le programme d'ailleurs, mais une sorte de pas de côté, pour revenir peut-être à une sorte de scène primitive de cet affrontement des républicains et des anti-républicains, qu'a été l'affaire Dreyfus, ou plus exactement, les années qui l'ont précédé, les prodromes, les latences de l'affaire Dreyfus, disons entre 1896 et la fin de l'année 1897, années au cours desquelles justement la confrontation, on pourrait dire historique, mais aussi historiale, entre les nationalistes et les cosmopolites, va s'exacerber jusqu'à l'insoutenable. Alors vous connaissez la fin naturellement, donc on peut commencer par la fin. La fin, c'est la victoire des républicains. Qu'un cas, envers et contre tout, les républicains, aidés bien sûr par les hautes figures, les intellectuels au sens large, ont finalement gagné. Mais il nous faut récapituler, et ceci bien sûr n'est pas sans intérêt pour comprendre les enjeux de l'heure, il nous faut récapituler ces mois, voire ces années décisives, où rien n'était joué, où la victoire du camp républicain n'était pas gagnée, et où effectivement, les forces républicaines devaient s'allier, mais c'était dur, elles étaient seules, elles étaient solitaires, et elles avaient face à elles, véritablement le rouleau compresseur du nationalisme français. Or, je vais vous faire comprendre très rapidement, puisque notre temps est compté ici, que ce nationalisme français, on s'égare quand on l'explique, encore comme le font un certain nombre de responsables publics, ou même d'intellectuels, quand on le réduit à sa dimension, j'allais dire, la plus caricaturale, mais aussi d'une certaine manière, déjà à l'époque, la plus accessoire, qui était celle, disons, du catholicisme intégriste, disons, tourné vers le passé, en contre-révolutionnaire, et plus tard, bien sûr, ce catholicisme qui a pu abonder dans la Révolution nationale de 1940. Tout ceci, bien sûr, a existé, tout ceci a été un ingrédient de l'anti-dreyfusisme, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il se trouve du côté d'un penseur, qui était aussi un journaliste, qui était un batteur d'idées, qui était un irresponsable incendiaire des âmes et des cœurs, et cet homme s'appelait Édouard Drumont. Et c'est le moins qu'on puisse dire, je vais vous montrer avec quelques points comme ça pour ouvrir la réflexion, c'est que Édouard Drumont jouait dans cette scène primitive de l'affaire Dreyfus un rôle absolument décisif, et il n'était pas réductible, quoi qu'on pense aujourd'hui, à ce nationalisme réactionnaire catholique ultramontain auquel certains voudraient encore aujourd'hui le réduire, notamment, bien sûr, dans des milieux républicains insuffisamment cultivés. Donc je vais vous montrer en quoi Drumont a été absolument décisif et il a catalysé, dans les années qui ont précédé l'affaire Dreyfus, au fond, il a catalysé l'essentiel des forces anti-dreyfusardes qui, à l'époque, ça tombe bien pour nous, ici au CLR, se superposaient presque entièrement aux forces de rejet de la République, en l'occurrence, cher Patrick, bien sûr, de la Troisième République, celle que les nationalistes français d'alors, comme Georges Valois, mais aussi comme Maurras, nommaient avec mépris la radicaille. Il parlait d'ailleurs aussi très volontiers de démocratie. On retrouve d'ailleurs ce discours aujourd'hui chez certains antiparlementaires frénétiques, d'extrême droite comme d'extrême gauche, qui n'ont que mépris pour ceux qui, pour les législateurs, qui siègent dans la représentation nationale, Assemblée nationale ou Sénat. Donc il y a des convergences, bien sûr, historiques qui importent de noter. Mais pourquoi Drumont a-t-il été si important? Pourquoi, par exemple, en 1898, lorsque l'affaire éclate,
Zola finit-il, outre son jacuse naturellement, mais un roman un peu passé sous silence aujourd'hui, qui s'appelle Paris, et dans lequel il met en scène les années qui viennent de s'écouler, et il invente un personnage ignoble, une sorte de dieu donné fin de siècle, pour faire un rapprochement avec aujourd'hui. Ce personnage s'appelle Sanier, et évidemment, il est le, comment dire, il recouvre, il est le manteau, il est le camouflage de Drummond qui l'a toujours combattu. Eh bien, pour une raison très simple, il en va, aujourd'hui comme alors, chez les antisémites les plus acharnés, ceux qu'on appelle aujourd'hui, je pense par exemple à Manuel Valls, les néo-antisémites, il en va aujourd'hui comme alors des procédés au fond analogues. Ces entrepreneurs de la haine, incarnés à l'époque par Drummond, sont finalement d'excellents marketeurs idéologiques. Ils savent mener leur campagne avec un esprit de suite, mais aussi, j'allais dire, avec un esprit de business. Ils savent vendre leurs aversions, ils savent marketer leur haine. Et celui qui le fait mieux que tous à cette époque, en 1896, c'est évidemment Édouard Drummond. Cela fait 10 ans, rappelez-vous, à ce moment-là, qu'il a publié le livre par lequel il est devenu une sorte de petite star dans ce Paris mondain des lettres et des arts. Ce livre, paru en 1886, c'est La France juive, pavé de 1400 pages. Je ne vous conseille pas de le lire, mais en revanche, de vous reporter, disons, aux thèmes principaux qu'il développe. C'est un livre tout entier dirigé, bien sûr, contre la prétendue influence des Juifs dans la Troisième République, mais c'est surtout, effectivement, l'outil par lequel il popularise un antisémitisme aux relances économiques. Ça commence comme ça, d'ailleurs, ça recommence comme ça aujourd'hui. Ça commence toujours, l'attaque contre la République est toujours indissociable du retour sur le devant de la scène d'un antisémitisme de ressentiment qui se donne d'abord comme antisémitisme économique. Ce faisant, Patrick, il n'a rien inventé, Drummond. Il a piqué, il a pillé, il a plagié un certain nombre de socialistes utopiques qui avaient mal tourné dès les années 1840 ou 1850. Je pense notamment, bien sûr, à Toussnel, de triste mémoire, de sinistre mémoire, et que l'ami Couturier, dans Le Point récemment, a évoqué. Il a raison, Couturier, Toussnel, aujourd'hui bien oublié, c'est l'un des fondateurs de cet antisémitisme de gauche, ou plus exactement d'extrême gauche, qui va être, au fond, une des matrices de cette espèce de feu d'artifice antisémite de la fin du siècle, et dont Drummond est le principal artificier. Donc, un antisémitisme à tonalité économique, en gros, aujourd'hui comme alors, les Juifs monopolisent les plus belles places et ils se sont infiltrés dans le giron de la République. C'est la raison pour laquelle, quand on combat la République, on combat la domination juive. Et lorsqu'on veut faire reculer la domination juive, il faut subvertir comme une sorte de topo réactionnaire. Il y a toujours eu des convergences d'ailleurs entre les procédés de certains marxistes égarés et les procédés de l'extrême droite. Il faut donc subvertir cette République honnie et haïssable. Mais il y a d'autres motifs chez Drummond. Il ne se contente pas de marketer, de reprendre, de revisiter et de remettre en odeur, en quelque sorte, de sainteté, les thèmes de l'antisémitisme de Toussnel. Il y ajoute quelque chose qui est absolument fondamental et dont les résonances actuelles, évidemment, ne pourront pas manquer de vous frapper. Il y ajoute le complotisme. C'est absolument inhérent à la vision du monde qui se développe dans cet antisémitisme anti-Dreyfusard des années qui précèdent l'affaire Dreyfus. Le vrai coquin croit pouvoir asséner Drummond, c'est dans La France juive, ce n'est pas Dreyfus. On parle déjà de Dreyfus. C'est ce ministre politicien familiarisé avec toutes les bassesses qui, pour complaire à Reynac, installe ce juif dans un bureau où viennent aboutir les renseignements les plus confidentiels. Et il continue. Des délires qui vont croissant, qui se répandent dans le journal qu'il a fondé entre-temps, journal qui, focalise là aussi, si vous voulez, tous les ressentiments de l'époque et les ressentiments les plus violents contre la République, contre les institutions de la République démocratique, qui était la troisième, et il ne s'en tient pas là. C'est-à-dire que le complotisme est un instrument de séduction des masses, c'est comme ça qu'il va, au fond, aller vers des publics de plus en plus larges, focaliser des publics de plus en plus larges, dans lesquels, bien sûr, ça c'est vrai, on retrouve des monarchistes d'extrême droite, on retrouve des maurassiens,
mais pas seulement. Il ne faudrait pas croire que le succès historique de Drumont dans ces années qui précèdent l'éclatement de l'affaire Dreyfus se réduise en gros à l'extrême droite. Ce serait une grave erreur. Il y a une gauche perdue, une gauche égarée, pour reprendre un terme qui a été employé récemment, qui le suit également aveuglément. Et elle le suit d'autant plus aveuglément que l'emballage de cette espèce de produit marketé, c'est d'abord effectivement l'antisémitisme d'ordre économique, le ressentiment d'ordre économique, bien plus que l'obsession raciale, il faut encore une fois le répéter. Et puis, au cœur, si vous voulez, de cette culture antilibérale fin de siècle, qui va éclater ensuite dans l'affaire Dreyfus et contre laquelle les républicains de tous les camps, des républicains de centre-droit, mais aussi de centre-gauche, des radicaux socialistes, chère Patrick, un peu comme nous aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, des hommes qui étaient plus libéraux de culture, vont opposer une digue absolument majeure. La digue, au fond, elle est construite en 1898, contre cette offensive-là, sans précédent, contre la République, contre les principes de la République démocratique, il y a eu, effectivement, quelques hommes qui ont immédiatement identifié le mal. Et j'aimerais devant vous, puisqu'on parle de cette époque, rendre hommage à celui quand même qui a été vraiment le premier à identifier le mal, bien avant que l'affaire Dreyfus éclate officiellement, c'est-à-dire bien avant le mois de décembre 1897. Il y en a un, dans les pages du très conservateur Figaro, qui avait sonné l'alarme. Et cet homme, c'était donc dès le mois de mai 1896, cet homme, effectivement, j'ai cité son nom tout à l'heure, c'était Émile Zola. Émile Zola, dans le Figaro, donc c'est pas un journal, a priori, entre guillemets, très progressiste. En fait, ce n'est pas un journal qui roule pour la gauche. Eh bien, il donne un grand article, bien avant le Jacques-Lus, qui s'appelle « Pour les Juifs ». Pour les Juifs, comme le « Pour les musulmans » des Louis Bélair. Pour les Juifs. Et il dit, enfin, c'est comparaison, ne vaut pas raison, naturellement, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qu'il dit, dans cet article? Qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Il dit que le retour des persécutions religieuses marquerait un effondrement de la civilisation. Je ne parle pas de la civilisation française, il y pense très fort, mais il élargit. C'est la civilisation elle-même qui est menacée par le retour de ces passions religieuses. C'est un texte extraordinaire, parce que très souvent on dit, oui, les intellectuels finalement n'ont pas joué le rôle qu'on imagine. Ils ont suivi le mouvement, c'est Clémenceau qui a tout déclenché. Bien sûr que Clémenceau a eu un rôle important, mais il a été précédé, il faut le reconnaître, historiquement, par la clairvoyance d'un artiste, qui n'était pas un idéologue, et qui était Émile Zola. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont vu, au fond, ces éveilleurs? Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces déchiffreurs de l'épistémé antisémite de l'époque? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Eh bien, ils ont compris qu'il y avait un caractère absolument indissociable entre l'antisémitisme tel qu'il va coaguler dans l'antidreyfusisme et le rejet de la culture libérale. Parce que c'est bien sympathique, entre nous, on est évidemment d'accord, Anastasia Kolodziejczuk l'a souligné à l'instant à raison. C'est bien sympathique de défendre la République, c'est formidable de défendre la laïcité, c'est nécessaire, bien sûr, de répondre à des gens comme Edwin Pennell et à leur relativisme. Mais il faut se souvenir de ce qu'est la République. La République, c'est pas simplement des institutions. La République, c'est pas simplement le respect sourcilleux de la laïcité. Mais oui, Patrick, la République, c'est aussi une culture. Et c'est une culture profondément libérale. Libérale au sens américain, pas libérale au sens économique français du terme. C'est absolument fondamental. Le républicanisme français, c'est d'abord un attachement farouche à un certain nombre de principes libéraux. Et ça, croyez-moi, les ennemis acharnés de la Troisième République, qui étaient les amis de Drumont, qui gravitaient autour de la libre parole, il l'avait compris. Et ce qu'il voulait subvertir, en attaquant les Juifs, en désignant les Juifs à la vindicte publique, en organisant cet immense attentat politique contre le judaïsme français, c'était évidemment la culture libérale. C'était rien de moins que la culture libérale. C'était pas simplement des institutions républicaines, c'était pas simplement le Parlement, c'était pas simplement le gouvernement français, c'était pas simplement éventuellement même l'identification passionnée d'un certain nombre de juifs républicains avec la République. Non, c'était la culture libérale française. Cette culture libérale, ça a été dit à l'instant par Anastasia, elle est fondée sur le caractère indéfini du dialogue, de la discussion publique. Rien, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'arrêt à la discussion publique. C'est ça, au fond, qu'ils ont compris quand il a fallu défendre
contre ceux qui voulaient la faire vaciller, la République. Et donc, enfin, dernier trait, cinquième trait, si vous voulez, de Drummond, c'est aussi son anti-élitisme absolument fuligineux. Je terminerai par là. C'est notre ami Grégoire Kaufmann, qui est un historien tout à fait compétent de ma génération, qui a fait une très belle biographie de Drummond, dans laquelle il montre que Drummond, qui est un vrai salopard, si vous voulez, de l'époque, hein, comme il y en a aujourd'hui d'ailleurs, hein, chez les entrepreneurs de l'Aisne dénoncés par Valls, Drummond, il a bien compris comment, quels étaient les ressorts, en quelque sorte, de l'attractivité d'un discours de l'Aisne. Antisémitisme économique, ressentiment contre la République, et enfin, anti-élitisme démagogique, anti-parlementarisme, bien sûr, mais plus largement, rejet violent des bourgeois, comme on en entend aujourd'hui, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, ces gens assis, ces conformistes, qui ne comprennent pas leur époque, qui sont assis sur leur tas d'or, tout ça. Il a trié, en quelque sorte, cet ensemble de ressentiments hétéroclites pour forger une doctrine nouvelle qui a été celle, au fond, de cet antisémitisme bien français. Et donc, au cœur de la matrice de Drummond, il y a le rejet des bourgeois. Il y a l'idée que l'essence du judaïsme culmine dans la bourgeoisie et l'essence de la bourgeoisie culmine dans ce judaïsme international. C'est déjà là. C'est-à-dire que ce qui fera le cœur de la révolution vichyste, ce qui fera le cœur de l'assentiment de Français égarés à la collaboration avec l'Allemagne nazie est déjà dans le texte de Drummond. Donc c'est absolument fondamental de comprendre, pour comprendre ce qui nous arrive, de revenir en quelque sorte à ce court-circuit qui a lieu par-delà droite et gauche, par-delà les différences séminales entre l'extrême gauche de l'époque et l'extrême droite de l'époque, qui a lieu entre le rejet violent de la République, l'hostilité économique portée aux dimensions d'un entier élitisme philosophique, et le rejet violent du signe juif, entendu comme manifestation, j'allais dire, la plus scandaleuse, la plus obscène des principes de la République. Et enfin, donc, un dernier mot, Drummond, dans les années qui précèdent l'affaire Dreyfus, il se fait une petite spécialité médiatique, il se trouve une petite niche, et cette niche consiste aussi à être le dénonciateur de ce qu'il appelle l'enjuivement de Paris. Alors, il faut dire quand même un mot là-dessus. Depuis les débuts de la Troisième République, il y a eu un afflux de milliers de Juifs venus de l'Est de la France, d'Alsace, mais aussi d'autres provinces comme la Lorraine ou la Franche-Comté, qui ont été chassés, au fond, de leur Heimat d'origine par la victoire allemande de 1870. Et la plupart d'entre eux étaient déjà des républicains fervents, très attachés à la langue française, aux institutions de la République française, mais aussi, encore une fois, plus encore, à cet ethos français que j'évoquais à l'instant lorsque je parlais des valeurs libérales. Et donc tous ces Juifs vont trouver refuge dans la ville lumière de l'époque, qu'est Paris. D'où, effectivement, les aversions que Drummond cultive lorsqu'il décrit Paris et sa région, les châteaux d'Enghien ou du Repoix, comme véritablement pris d'assaut par une masse de Juifs à peine français. C'est sous sa plume, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est sous sa plume qu'il y a des développements de cet ordre contre l'enjuivement de Paris. Mais là aussi, réfléchissons un peu à ce que ça signifie. C'est pas la vieille extrême droite, disons, contre-révolutionnaire, qui montre là son visage. C'est un produit de synthèse idéologique formidablement moderne, formidablement païen, formidablement anti-catholique, mais aussi, bien sûr, formidablement anti-juif. C'est l'idéologie de synthèse des anti-libéraux d'hier comme d'aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Ça ne sert à rien de défendre le républicanisme civique si on ne comprend pas qu'en son principe, il y a la rencontre, cette rencontre absolument vénéneuse, mais qui se reproduit, entre le rejet du libéralisme politique et le rejet des juifs. Merci.